puissance de Dieu te délivre maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Reçois ta délivrance. Vous avez introduit dans ta vie l'esprit, que la ration soit un petit peu ça, te balader. Jésus-Christ, libère ton âme. Libère ton âme. Ton esprit est libéré. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Maintenant. Ce monsieur avait quelques mois de vie. Okay. Il avait déjà détruit. Il va avoir quelqu'un. Elles ont vendu son travail à vie professionnelle. Elle est née, elle ne va pas travailler en français. C'est le genre de personnes qui vont commencer à travailler. Une année, deux années. Amen. Et nous allons ramener ça dans le camp du diable. On va libérer ton âme, n'est-ce pas? Tu es né pour vivre. Parce que Jésus est la vie. Jésus est pourquoi? Je détruis tout décret, c'est ta vie. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était fait sur sa vie est détruit maintenant. Je libère ton âme, ton esprit et ton être. À la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je libère totalement ta vie. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ te délivre maintenant. Je libère ton sang. Je libère ta chair, tes os, et tout ton être. Par la puissance qui est dans le sang de la vie.
on a encore une autre rencontre après. Dès que l'œil touche vos têtes, tout cassez-vous. C'est une puissante œuvre de marabouta et de sorcellerie. C'est-à-dire pour le libérer. Quelqu'un qui est vraiment assis. Il y a plus de trois nuits à venir le combat. Il a dit que comme si on fait des reportages, il y a plus de choses. Il y a plus de Non, bon, mais c'est bon. C'est vraiment terrible ce qui sont visibles. On est venu dire quand même. C'est-à-dire plus jamais il allait se retrouver. On a dit la vie de Dieu. Mais nous, nous croyons à la puissance de Dieu. Amen. 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 Comme il a dit, je suis à Digo. Oh, vous dînez, vous dînez. Je le suis. Il est là. J'ai trois mois. Et quand il est là. Je vous l'assure. Et je dis. On a le monde. À vos 7 ans, tout Dieu, non, on a tout. Et qui est vraiment? Il va voir qui est en novembre. Il est en novembre, c'est la guérison. Il est en novembre. Il est en novembre. Parce que je suis convaincu, et qui est je m'engage. J'étais convaincu qu'on envoie. La fille de mon adresse. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la mère, le médecin de Babo. Babo, on est dans quand il a fini son mariage, il a eu des problèmes. Il ne se retrouve plus. On est venu. Le problème qu'il a, c'est spirituel. Il y a trop de choses. Oui, c'est un peu. Et comme c'est un public, mais absolument. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Oui, c'est papa qui a compris. Voilà, absolument. J'ai trois mois dessus. Je crois que tu vas le guérir. Amen. 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 Ça va? J'ai eu un chrétien et la fille, là, elle devait mourir en précisant cette grossesse. Oui. C'est cela que je vais prier. Oui. On va prier pour toi demain. Moi, j'ai un fils, c'est où? Donc, levez-vous. Je vais m'occuper de ça demain. Parce que tout cela, je vais livrer spécialement demain. Demain, vous libérez, je vous promets. Hein? Dis-moi, que vous soyez. Vous allez rentrer à la maison. Je serai là très tôt. Matin, ma veille, matin, on fait plus de programmes. Mais dans la nuit, il y a trop de stress. Le noir, on utilise la lumière. Et dans la journée, c'est encore plus intéressant.
Donc je serai là pour la première décision. Attends, bon. Pour certaines personnes. La puissance de Jésus-Christ te libère. Je libère ta vie de tout décret du diable. J'annule le pouvoir de tout décret du diable de ta vie. Maintenant même. Et tout ce qui a été programmé est déprogrammé le nom de Jésus. J'annule maintenant. Esprit mort, programmé de cette grossesse. En le nom de Jésus. Je libère ton âme et ton être par la puissance de la sang. Oui. Par la puissance de la sang. Monsieur, je vais prier pour demain matin. Je suis en train de mener un combat. Je vais vous expliquer ça demain. Si je commence à prier pour vous, ce n'est pas une victoire. La victoire d'abord spirituelle. Puis les choses. Je vais vous expliquer ça demain matin. Non, je vais vous ça. Mon souhait, c'est que vous soyez délivrés ici. Non, non, il y a une vie, une vie. On ne vient pas pour une visite ici. On va y aller. Mais c'est ce que tu as fait. Il faut commencer avant des œufs. Commence avant des œufs. On peut lui dire. C'est là va sortir ta richesse. Mais sinon tu as la richesse. Et bien. On prie le même matin pour toi. Commence avant des œufs. Mais qui lui dit? C'est à partir des œufs quand tu vas commencer avec les plaquettes d'œufs, les œufs bouillis, les trucs comme ça. Okay. Sinon, c'est à partir de là que tu vas sortir ta richesse. Au nom de Jésus. Tu vas être très conscient, tu vois, tu vas jeter autre chose. C'est comme un écran quand je dors. Je prie pour vous. Quand j'ai fini de vous écouter, je prie pour vous. Je dis encore quand je te répondrai. Je t'annoncerai les gars. Oh non, là, mais. Mais nous, En tant que prophète, c'est les mystères, les choses cachées. Jésus a vu Lazare. Je dis à l'oreille. C'est vrai qu'il était mort, il dit, mais où l'avez-vous mis? Oh, regarde, voilà. Quand il a su qu'il était dans le tombeau, il s'est rendu au tombeau pour faire sortir Lazare. Oh, là, pas de c'est ça, où vous ont mis? Oh, là, voilà. Vous ont fait. Il faut avoir la révélation de tout ça. Nous détruisons le pouvoir des ténèbres. Et Camille, il c'est que tu seras guéri au nom de Jésus. Je crois. Moi, j'ai vu des femmes de 55 qui ont accouché qui ont fait des jumeaux. Et hier, moi, quand on dit, j'ai vu des personnes qui avaient des cancers. J'ai vu des femmes qui avaient des bébés morts dans le vent, morts. On va les opérer, il dit non. On fait parler avec les gens, on les laisse. On les prie. Le bébé. Ressuscité, et puis sort vivant. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu les gens dont les comptes étaient bloqués. J'ai vu les gens ont chassé le travail. J'aurais dit la deuxième semaine qui suit. Le même service a été rappelé. La personne est au Canada. On a chassé le travail. Il y a eu deux semaines de prière avec la personne. La deuxième semaine, la fin, la. On a abordé la première semaine. Maintenant, on t'a appelé pour qu'on s'est fait. Et quand on a fait le petit malin, on augmente ça. Parce que le miracle est surnaturel. Il passe la compréhension humaine. Et là, elle est quand même. Amen.
Non, ce que Dieu a fait au travers de lui-même, ce qu'il a vu Jésus-Christ faire, amen, je ne doute même pas de son miracle aujourd'hui. Je ne doute même pas des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a un jeune frère libérien qui est en Australie. Il y a un Allemand libérien qui est en Australie. Il est sur le net, on s'est rencontré là. Il a un compte bancaire. Le papa, on n'a plus d'argent. On dit qu'il a pris l'argent là-dessus. Oh bien, oh bien, il, bien, dit, il pleure, il dit, il ne croit pas. Oui, là, oui. Ordinateur nous dit ici. Et quoi, oui, tu as pris ton argent. Et on lui montre les papiers. Oui, bien, bon. Sorcellerie, c'est terrible. Hein? Oui, 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 ils ont visité son compte. Oui, bien, oui, bien, il pleure, il ne sait même pas ce qu'il fait. Oh oui, oui. Il m'a appelé. Il est convaincu qu'il va sorcellerie. Oh, bien, il voulait avoir la confirmation. Ok, je dis, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis le frère 7 jours de jeûne. Tous les soirs, je priais pour lui. Et je lui ai dit, dans un mois, prépare la banque, fais la réclamation. Mais il y a un tel abaisse. Tiens, quelqu'un, Jésus est fort. Je lui ai dit, si tu vas à la banque, quand on dit, il n'y a rien, il faut être le premier à parler mal de Grasso. Dis aux gens que je suis un faux prophète. On a prié ce maire. Il a attendu un mois. Il m'a appelé. Le même jeudi va. Ton compte est rempli et puis il y a bonus là-dessus. Je ne dis pas combien il a eu sur le compte. Je fais ma couche. Mais là, il a l'argent. C'est beaucoup d'argent. Il va, on le verra de la tête. Il y a l'argent, oui. Il s'est étonné. Que l'argent du monsieur est là. Et puis il y a des intérêts là-dessus. Il m'a appelé, il m'a envoyé 3 millions. Il m'a appelé, il m'a envoyé 3 millions. Dieu est un Dieu de miracles. Je lui dis, il est un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Je connais un jeune frère qui est en France. Il s'appelle Daniel à Paris. Oh, Paris. Il revenait d'une soirée, il a perdu tous ses papiers. Les plans ne s'amusent pas avec les papiers. Tu as tous les problèmes là-bas. Il pleure. Il ne comprend pas. On a commencé à prier pour lui. Je lui donne rendez-vous sur Skype. Et puis un jour, j'étais libre. Il m'a appelé, il dit, ah, je suis fatigué. J'ai dit, mais Dieu me met à cœur de prier pour toi. Il s'est réveillé, oui. Il m'a appelé sur Skype, on a posé, on parlait. J'ai dit, mets la main sur ta tête. Il a mis la main sur ta tête. Dès qu'on a pris les prières, j'ai dit, va, sous ton lit. Regarde sous le lit. Il regarde sous le lit, son passeport, tout ça. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est légal.
Tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Ouais, parce qu'un prophète, il ne parle pas comme ça. Le petit marabout, il parle, quand il le voit, il parle. Ah, non, la révélation, c'est toi. Il dit la révélation, moi, je ne parle pas comme ça. Mais le jour où il est parlé, il est comme ça. Alors, allez vous asseoir. Après, non, je vais les gars, allez, avant de parler. Qui l'a mis ici? Qui l'a mis là? Le ministère. Ah oui, là. Le ministère. Ah oui, là. Ouais, ouais, il fait lui. Il veut l'enfant, voilà. Allez, après, tu vas voir les pasteurs. Ouais, non, ça n'a pas parlé. Il est passé, Marie. Non, non. C'est depuis 7h et micro. Regarde à mon père. Regardez comment mon père. Attendez, c'est moi, non, c'est moi, c'est moi. Ok, vous pouvez vous mettre le micro là. Même ma chaîne, vous prenez deux bouteilles dans la main. La musique qui se casse la tête. Vous me voyez comme esprit. Que Dieu nous finisse avec tous les enfants. Amen. Les dames qui ont des projets là, vous êtes là. Demain matin, à partir de 6h, je vais profiter demain matin de travailler avec vous. Je vais profiter demain matin, on va en prêcher avec vous. Juste après la prière, on va. Demain matin. Ce n'est pas que tu es en train de utiliser notre projet. Ce soir, il faut dire à Dieu, parle-moi. Parce que je sens une onction prophétique. Je sens qu'il a envie de parler. Là, quand on se dit, ma dépense est aidée. On va faire offrande pour toi. On va construire. Vous avez besoin de vous abandonner? Vous avez besoin de vous abandonner là? Vous-même, vous voulez qu'on reste ici? Hein? Moi, je vais pas. Vous n'avez pas compris ici pour ça. Si toi, tu fais ça, tu dis non, je fais. Mettez la main sur votre tête. Tenez-vous debout, tout le monde. Je suis pas. Je suis pas. Ce qui me reste à faire, c'est manger la veille dans la vie. Allez, laissez-moi aller faire petit son un peu. Je vais manger petit faire son. Amen. Nous te rendons toute la gloire pour la manifestation de ta présence et de ton pouvoir. Merci de te manifester puissamment et pleinement dans cette vie. Merci notre Dieu, notre roi. Nous te rendons toute la gloire. Merci Yahvé Shabbat. Merci Jehovah Jireh. Merci Yahvé, notre Dieu. Souviens-toi de chacun d'entre nous et s'il te plaît, donne gloire à ton nom. Nous espérons en toi, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es notre seul refuge. Éternel, Yahvé, Hachem, s'il te plaît, agis pleinement dans la vie des Akashot. Et permets qu'ils puissent rendre témoignage à la gloire de ton nom. Merci pour la délivrance. Et merci pour la restauration que tu accordes à tout le monde. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous avons des naissances demain. Nous avons des bouteilles de naître, des naissances. Nous allons les prier pour toutes les parts. Pour la jeunesse. La jeunesse des Arocos. Et même à toi, nous avons.